Et salut, on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu de Nintendo 64, un vieux jeu de Nintendo 64 de Pokémon, Pokémon Snap. Donc c'est un jeu pas très long et pas très dur, mais que j'ai beaucoup aimé quand j'y ai joué étant plus jeune. Donc j'ai décidé de vous faire un petit let's play de ce jeu. Bon, je connais assez bien le jeu, je me souviens à peu près des solutions, donc je veux pas que ça me montre ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que je vais faire un let's play sur ce jeu. Putain, ça commence bien, je sais même plus qu'est-ce que je disais. Bon, donc voilà, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Et mais je connais beaucoup le jeu, donc je vais seulement faire un let's play, mais qui sera plus de la découverte pour vous et un peu des vidéos solutions, parce que je me souviens globalement comment on fait pour évoluer dans ce jeu. Je me souviens de toutes les solutions, donc ça se présentera plutôt sur des vidéos solutions où je vous montrerai tout ce qu'on peut faire globalement. Donc on va commencer. Donc je vous rappelle que c'est un jeu où on prend en photo des Pokémon. On passe au milieu de Pokémon dans différents paysages et on les photographie. Donc je vais m'appeler FX. Ah, c'est toi. Donc voici le professeur Shen qui nous guide dans tout ce jeu, mon cher collègue. La raison pour laquelle je t'ai invité est celle-ci, le rapport Pokémon. J'aimerais que tu prennes des Pokémon en photo pour le rapport Pokémon. On trouve des Pokémon sauvages un peu partout sur l'île Pokémon. Voici ma dernière invention, le véhicule Zero-One. Tu peux t'en servir pour ton voyage. Le véhicule Zero-One se déplace automatiquement vers la porte d'arrivée. Donc non, je ne veux pas que tu répètes tout ça. Je vais t'apprendre à faire les photos sur le premier parcours. Je compte sur toi. Donc voilà, on va prendre des photos et à la fin de chaque niveau, on choisit les photos qu'on veut montrer au professeur Shen et il note nos photos. Le but principal, c'est de voir le plus de Pokémon possible. C'est ce qui permet de déverrouiller les niveaux suivants. Mais accessoirement, avoir plus de points, c'est plus stylé. Pour avoir plus de points, il faut prendre des belles photos. Je vous reparlerai des critères de notation des photos un peu plus tard. Donc, allons-y tout de suite
sur la plage. Donc je n'hésiterai pas à vous donner quelques astuces pour faire des bonnes photos sur. Donc on commence par prendre les roucoules qui passent. En général, ça fait une bonne photo. Alors attention, voilà. Il y a le dos du haut qui passe toujours à ce moment-là. Donc là, ça ne vaut pas trop le coup de le prendre en photo parce qu'il est de dos. Et prendre des photos de dos, c'est un peu éliminatoire dans ce jeu. Donc là, on prend un joli Pikachu. Donc après, il faut réussir à bien viser le papillusion. On va essayer de le prendre de face quand même. Allez, retourne-toi. Enfoiré! Ah voilà. Voilà, on essaye de le mitrailler un peu. Hop, hop, hop. Il y aura sûrement une photo de bonne. Donc vous voyez là, il y a un low class sur cette map. Quand on regarde vers la mer, on voit souvent des low class. C'est une bonne. Faut le savoir parce qu'ils sont assez bien camouflés. Donc là, il y a un Ronflex. Il dort et ça va pas nous faire des bonnes photos, mais plus tard, on pourra avoir des objets qui nous permettront de prendre des bonnes photos de ce Ronflex. Donc attention. Hop. Magnifique Mirus qui prend la pose. Donc, comme vous avez pu le constater en haut à droite, il y a le compteur de photos que je peux encore prendre parce qu'on a un nombre limité de photos à prendre qu'on peut prendre sur un parcours. Alors là, en général, il y a un low class aussi. Bon, là, il veut pas apparaître. Hein. Et donc, il y a au cours du jeu, le professeur Shen nous donnera des objets. Et ces objets nous permettront de voir d'autres Pokémon cachés sur ces maps. Tiens, Monsieur Loclas. Alors attention, le deuxième passage. Monsieur Doduo. Donc là, il y a une boule. Bon, je vais pas vous spoiler, mais cette boule, c'est un Pokémon. Vous vous doutez peut-être duquel c'est. On ne pourra vraiment le faire. Le voir sous sa réforme que plus tard. Donc là, il y a un Kangourex aussi, il est de dos, donc on va avoir des très mauvaises photos de lui. Donc normalement, on débloquera également un objet qui permettra de le faire se retourner. Donc là, petite scène cocasse, toujours bonne à prendre en photo, un Miaouss qui se fait déglinguer la gueule. Et voilà. Nous arrivons au bout du niveau. Et donc, on va aller faire notre rapport et on va choisir les photos qui a montré au professeur Chen et le professeur Chen les montrera. Donc, avant de faire ça, je vais faire un petit truc. Je sais pas si ça va s'afficher sur la vidéo, mais j'ai déjà fait un petit test et il y a un petit bug d'émulateur qui fait qu'on va mal voir les photos. Donc là d'abord, ce que je vais faire rapidement, c'est une sauvegarde rapide, on ne sait jamais. Parce que la dernière fois, ça m'avait fait un peu bugger le système. Donc on va dans configurer le plugin vidéo. Donc je l'ai déjà fait, mais normalement, Hide Advanced Setting, c'est coché. On le décoche, on fait appliquer. Et dans Advanced, on fait copy frame buffer tout, je sais pas quoi. Ça ralentit un peu le jeu, mais ça permet de voir les photos que là on va choisir. Et c'est assez utile parce que c'est un peu galère sinon hein, pour choisir les bonnes photos. Donc là, comme vous voyez, il y a un truc qui est grisé, marque album. Plus tard, on pourra choisir des photos qu'on veut garder pour nous. Bon, ça rajoute un petit côté, je sais même pas quoi au jeu, mais moi, ça m'a jamais trop intéressé de garder des photos pour moi. Et donc voilà, on choisit les photos qu'on veut montrer au professeur Chen. Donc je vais être obligé de prendre une de ces deux photos de Rukul. J'ai peur qu'il soit pas bien centré, parce que l'un des critères, c'est aussi le centrage. Si le Pokémon il est pas bien au centre de la photo, c'est un peu éliminatoire. Et ça fait. En gros, le professeur Chen va doubler nos points si c'est centré, et si c'est pas centré, non. Et voilà. Donc
Donc je vais choisir celle-là. Donc ça fait un peu bugger, un tout petit peu bugger le jeu. Ça, tout à l'heure, vous verrez, ça se verra mieux, ça fait un peu ralentir le jeu. Mais je suis obligé de faire ça parce que sinon, vous voyez toutes ces photos, et ben on ne les voit pas, on voit un espèce de truc tout blanc et rouge. Tout blanc avec des points rouges. Donc le Pikachu. Bon, là, il n'a pas une très belle pose. Ouais, bon. On va prendre celle-là. Hein. Il a l'air blasé, le Pikachu. Donc le Dodio. À mon avis, celle-là, elle est bonne parce que il a tendance à beaucoup avoir la tête tournée, ce Dodio. Et là, il a l'air de nous regarder. Donc, on va prendre cette photo. Donc un Papilion. Oh, là, j'ai des bonnes photos de Papilion. Là, il est un peu tourné. Celle-là, elle me paraît bien. Il est bien centré. Il a une bonne pose. Franchement, il est nickel. Donc, low class. Je sais pas si c'est les meilleures photos qu'on ait d'un low class. Je sais pas laquelle prendre là. Franchement, c'est un peu au hasard. On va prendre celle-là. Donc, vous voyez, le Ronflex, même, on peut pas les reconnaître. On est censé ne pas les reconnaître. Tant qu'on n'a pas l'objet en question. Donc je peux même pas présenter les photos de Ronflex au professeur Chen. Donc là il y a un magnifique Miaouss qui a l'air très bête. Il a le swag, on peut le dire. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Il ressemble à rien. Et donc voilà. Donc je vais pas choisir celle-là de Miaouss, je vais plutôt choisir celle à la fin où le Miaouss se fait déglinguer. Vous voyez ce Pokémon aussi qui est en boule. Bon, no spoil, je vous dis une fois plus. Je ne vous dis pas qui c'est, mais on pourra découvrir qui c'est que plus tard. Donc une photo de Evoli, j'ai envie de prendre celle-là. Joli Evoli qui saute. Donc le Kangourex, il est de dos, donc on va pas avoir des très bonnes photos. On va prendre celle-là. Il a l'air de sauter un peu en l'air. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et donc une photo de Miaouss qui se fait déglinguer la gueule. Je me souviens, ça marche plutôt bien. Ça permet d'avoir quelques points. Voilà. Donc après on retourne en arrière et on va voir le professeur Chen pour lui montrer nos photos. Donc on va voir ce qu'il dit. Ok. Donc vous voyez là ça fait un peu ralentir le jeu, on entend que le son bug un peu mais quoique c'est un peu c'est un peu le prix à payer parce que sinon et ben sinon ça marche pas du tout. Donc un Roucoule. C'est beaucoup cool. Donc voyons taille bof. Oh putain, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, en fait, à ce moment-là de la vidéo, je couperai la vidéo, je couperai le son et je mettrai un autre truc parce que là, du coup, je sais pas si vous l'entendrez ce moment-là, mais le son est assez dégueulasse. Hein. Donc la pause. 750, c'est moyen, mais bon, c'est quand même pas mal, moi je trouve, la technique. Ah, il considère qu'il est au milieu. C'était un peu douteux quand même. Hein. Un autre Roucoule, là ouais j'avais oublié ça, que quand il y avait plusieurs Pokémon, rajouter un bonus. Bon là on le voit à peine donc il rajoute que 10 points. Excellent! Un Dodio. La taille, 470. Un peu sévère, on le voit bien quand même. Hein. 1000! Super cool! Et donc la technique, bon, il est au centre, sans surprise. Donc vous voyez là, on a fait une taille plutôt bonne, une très bonne pose apparemment, donc ça nous fait plein de points. Donc un Pikachu. Voilà, 390. Abouze, c'est cool. Et la technique, c'est centré. C'est parfait. Un Papillusion. 560. Ah, il aime bien la taille du papillon, ce coup-ci.
La pose 800. Il dit la même chose. Cool, c'est très bien, mais il met que 800. Et le Pokémon est centré. Est-ce que c'est notre meilleur total? Je sais pas, je crois pas. Non, non, le Pikachu était meilleur. J'ai pas de mémoire. Je me souviens de combien on a eu pour le Pikachu. Alors, voyons la taille. 260. Bon, là, on le voit tout petit, mais pour les low class, j'ai jamais réussi à y remédier. On est obligé de les avoir en tout petit. La pause. 1000. En pause relax. Bon, de toute façon, il dit toujours ça. Je m'en souviens, ça. Les low class sont toujours en mode relax. Donc, on a toujours 1000. Mais bon, avec les low class, il faut juste faire attention de ne pas avoir une taille trop petite du low class. Parce que sinon c'est éliminatoire si c'est trop petit. Et là je vous dis qu'on fait pas beaucoup de points si les notes s'arrêtent, si ton total de points il s'arrête dès la taille de la photo. 420 pour le Evoli. Pause. 800. Et la technique. Il double les points. Ok. Donc là vous allez voir, je pense qu'il va pas aimer le fait qu'on le voie de dos. Taille. Donc là, ça va être bien. 720, même, c'est très bien. Et là, la pause. Et voilà. Bah. 100 points, ce n'est pas très bon. Presque. Donc il n'aime pas que les Pokémon soient pris au dos. Donc le Miaouss. La taille. 320, pas terrible. La pause. C'est très drôle. Et la technique, il est en plein centre. Excellent. Et voilà, on enregistre. Il va enregistrer nos nombres de Pokémon et les points que nous avons accumulés. Voilà. Donc, tout de suite, je vais aller décocher ce que j'avais coché tout à l'heure pour retrouver une vitesse de jeu normal. Appliquer. Ok. Je fais une petite sauvegarde. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois que le jeu plante lors de mon test, donc je n'aimerais pas que ça arrive. Donc, j'ai vu les photos prises par FX. J'ai sauvegardé ces photos dans le rapport Pokémon. Prends plus de photos de Pokémon et je te donnerai un coup de main. Bonne chance, FX. Oh, tu peux désormais consulter le rapport Pokémon. Re tout le monde. Donc voilà, j'ai le jeu qui a planté. Ça m'avait fait le même coup à peu près au moment la dernière fois. Donc ça m'a fait ça quand j'ai voulu aller dans le rapport Pokémon. Donc dans le rapport Pokémon, on peut voir les photos, toutes les photos qu'on a données au professeur Chen. Et il y a même, elles sont même classées de la meilleure à la moins bonne. Donc si on veut revoir le top, le top, je sais pas combien des meilleures photos qu'on a prises, on peut aller là-dedans. Donc voilà, ben, prochaine fois, nous pourrons accéder au tunnel. Nouvelle zone que nous venons de débloquer grâce aux bonnes photos que nous avons prises. Et donc, bon, globalement, ça sera un format de vidéo sur Pokémon Snap un peu plus courte que les autres. Bon, là, j'ai mis un peu de temps pour vous faire le premier niveau. Les prochaines vidéos, je ferai sûrement deux explorations par vidéo. Et voilà, bah, j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à aimer, à pouce-vériser la vidéo et à laisser un commentaire. Donc j'espère que vous allez bien accueillir ce jeu qui m'a, moi, franchement, que j'aimais beaucoup. Qui m'a fait passer de belles heures de jeu, même si c'est pas un jeu très long. Mais bon. Je pense que c'était quand même un bon jeu de Nintendo 64. Allez, je vais vous laisser. À plus.